ma thèse a montré, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on enseignait davantage et parfois peut-être un peu mieux le fait colonial avant qu'aujourd'hui. Alors en fait, il y a plusieurs époques. La première époque, c'est celle du roman national au 19e siècle. Alors là, c'est une époque où le colonial est extrêmement présent, mais il est extrêmement présent de façon très positive, très valorisée. C'est la grandeur de la France, la mission civilisatrice, etc. Et puis après la Seconde Guerre mondiale et au moment où commencent les premières décolonisations, la question coloniale commence à changer de profil dans les programmes scolaires. Elle devient davantage une question problématisée autour de l'altérité culturelle, autour de la tolérance entre les peuples, autour de l'antiracisme, etc. On ne sait pas trop comment la faire entrer dans l'histoire. Dans les années 70-80, c'est très décomplexé. On a par exemple des manuels scolaires dans lesquels la torture est présente et la responsabilité de l'armée française pour la torture est mentionnée. Et puis à partir des années, fin des années 80, 90, 2000, en fait, dans les débats publics, la question coloniale devient une question très vive, elle devient une question mémorielle, et alors ce contenu-là, ce contenu d'enseignement va passer sous surveillance politique, et elle va rester dans les programmes, mais avec beaucoup de vigilance, de façon aseptisée, de façon plus équilibrée, avec la disparition de ce qui pouvait exister avant, de franchise par rapport à la responsabilité française.